tout ça, on se retrouve pour le troisième épisode de mode de mini-jeu de Marlo Party 9, le bon choix. Et donc cette fois je suis tout seul hein, parce qu'Amy elle est encore pas là. Et donc pour la fin du let's play, j'ai décidé un peu de changer de personnage et je vais prendre non pas Todd, Pif, parce que Todd ça va être notre anti. Et donc je prends Todd que je vais mettre en expert comme je suis là seule. Et donc on se retrouve pour le bon choix. Comme notre jeu très court, on va avoir certainement le faire, on va certainement avoir le temps de faire deux ou trois parties. Bon, en fait il va y avoir 5 mini-jeux que voilà ils sont proposés. Oh oui, bouton précis hein. 5 mini-jeux qui sont proposés, on va en choisir 3. Il y a un maxi mini-jeu parmi les 3. Et à chaque fois, le maxi mini-jeu rapporte 150 points en premier et 100 points pour les mini-jeux normaux quand je suis quand je les gagne. Voilà, en avant pour le premier défi. Oh j'ai mis tennis, ça tombe bien, je l'ai pas pris. Est-ce que c'est du hasard? Je suis sûr que toi tu n'as pas de personne. D'ailleurs, si vous êtes tout seul à choisir un mini-jeu, bah vous gagnez des points. Voilà. Non, pardon, Todd, s'il te plaît, dis-moi que tu l'as choisi. Pourquoi je n'ai pas le droit de faire mon mini-jeu? Je n'ai pas le droit de faire mon mini-jeu préféré. Bon, je gagne 100 points. J'ai pas le droit de faire mon mini-jeu préféré. Je te hais, Todd. À contre-courant. Ça, c'est le seul Todd qui l'a pris, parce que ça, je l'ai pas pris. Vous voyez déjà, il y a 3 mini-jeux là, on est à 1 minute 55 de vidéo. Donc franchement, là je pense qu'on va peut-être avoir même le temps de faire 4 parties peut-être. Allez, maxi mini-jeux! Un peu de sport. Donc là, logiquement, on les a tous les deux pris parce qu'il me reste 2 mini-jeux, mais aussi. Donc voilà. Ce sera donc un face à face entre Peach et Todd. En fait, il va y avoir des champignons qui vont se cacher dans les blocs et vous devez faire des attaques rodéo pour les libérer. C'est parti! Haha, je t'ai écrasé, toi. T'es nul! Je l'ai encore écrasé. J'ai exactement le double de points de Todd. Hein. Je vous rappelle qu'il est en expert. Et voilà, 35 points. J'ai presque le double de ses points. C'est incroyable. Voilà. Donc j'ai 250 points. Donc là, même si je perds, j'ai gagné. Voilà. Voici le dernier mini-jeu. Bim bam boum. Bon, bah là, y'a pas besoin de suspense. Là, on est deux. C'est un face à face entre Peach et Todd pour la deuxième fois. Allez, donc je crois que celui-là on l'avait déjà fait, mais en tout cas si vous en rappelez pas, il c'est faut parti. Éviter les bibales. Oh purée! Oui Todd, merci d'avoir perdu! A gagné et elle a fait un sans faute, donc c'est à dire que là il y a 3 mini-jeux, j'ai gagné les 3 dont le maxi mini-jeu, donc ce qui veut dire que j'ai fait exactement le maximum de points que je pouvais acquérir. Il s'agit de Peach, félicitations. Réessayez, ça fait que 4 minutes 55. Yeah!
Voilà, on passe les dialogues, merci, bidule, voilà. Non, je vois pas les règles. Ok. Alors, personne n'a pas fini le jeu. Pauline Gumba, je n'ai pas pris non plus parce que je sais qu'avec Todd, j'aurais perdu. Ah, j'ai pris. Ah non, je suis perdu. Bon bah, merci Todd, hein. Voilà, j'ai encore gagné 100 points de fils. Ah, ça tombe bien, j'ai pas pris parce que je le déteste, hein, ce mini-jeu. Que voilà, j'en étais sûr que Tom l'avait pris. Hein. T'as 6 minutes 14 pour redire. On est dans un temps. Ça, je l'ai pris et Todd aussi, vu qu'il nous reste 2 mini-jeux, forcément. Ce sera donc à face à face entre Peach et Todd pour la 3ème fois aujourd'hui. Là par contre là je peux perdre. En plus là, ce mini-jeu contre un expert, je pense que là ça va pas être évident. Ce sera donc un face à face entre Peach et Todd pour la 4ème fois. C'est parti! Égalité, j'ai jamais fait aussi. J'ai jamais fait autant. Peach et Todd ont gagné. 150 plus 150. Ouh, 1 minute. Ouh, 200 fautes. Il s'agit de Peach pour la 10ème fois. Félicitations. Allez, on va faire une 3ème partie. Il y a de beaux choix là, qui ont des concurrents qui sont exactement les mêmes que tout à l'heure pour la 3ème fois. Peach et Toad. Même voici encore. Oh non, 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 non. Il y a 2 mini-jeux de hasard là. Non, même 3, mais bon. Là, je peux faire. En avant pour le premier défi. Ça tombe bien, je l'ai pas pris parce que ce mini-jeu est le pire de tous. Merci Todd. Hey. Ça tombe bien, je l'ai pas pris non plus. Mais ça, je suis sûre que Todd l'a pris. Ah, qu'est-ce que je
français. Qu'est-ce que je disais? Voilà, toi qui triches. Il y avait les deux mini-jeux que j'ai mis sur le plus. Hein. Rouler à la chaîne, Maxime, je hais la partout. Ça va être dur. Ça va être très très dur. À moins que je sois seul. Oh oui! Merci Todd! Merci Todd! T'as même pas pris le Maxime mini-jeu! Oh! Oh! Oh merci Todd! Oh, t'es trop gentil, je t'aime. Puis je n'écoute très loin la victoire. Il reste encore deux mini-jeux. Hein. Et c'est bon. Ce sera donc pour la cinquième fois en face à face entre Peach et Toad. Allez, comptons les combats. Ah zut, c'était entre celle-là. Première défaite de la vidéo. Là c'est une égalité parfaite. Là ça va être extrêmement serré. Là oui Todd, là tu peux dire vraiment qu'il y a du suspense. Là tu peux le dire. Allez. Ce sera donc pour la sixième fois à face à face entre Petit Toad. Allez, quatrième et dernière partie. Oh. Ok. Ok, c'est bon. Attention à la tête. Attention à la marque. Il n'y a que Peach. Hé, j'ai deviné.
pile bam boum. J'ai gagné tout à l'heure. Oh oui, mais toi t'es trop gentil. Deux fois. Voilà, j'ai gagné hein. De toute façon, même si je perds un mini-jeu, à contre-courant, je l'ai pas pris. Et alors là, si Todd gagne, on peut avoir une égalité. Allez, dernier mini-jeu, lancement 3 temps. Je vais sortir mes doigts de bouton mâcheur professionnel. Pour la 7e fois à face à face entre Peach et Todd. Tu vois, là je suis stressée. Allez, 3, 2, 1, go. C'est parti! Je rappelle que à course à l'escalier, j'avais perdu contre Todd à lancement de 3 temps, l'expert. Oh, je l'ai. Attendez. Non! Purée, c'est lui qui prend l'ascendant là. Une fois lancement 3 temps. Parce que là ça se fait pas. Hein. Là ça se fait pas. Ils m'ont fait un coup là. Allez-y, je le tente une fois. On va voir si je suis vraiment plus fort. Allez, expert. Allez. Donc là c'est là qu'on ira une fois qu'on aura fait tous les modes. Je vais le battre. Excusez-moi. Attendez. Extrêmement nul, effectivement. Voilà, je n'y arrive décidément, je n'y arrive franchement pas, je sais pas pourquoi. Ah, gagné là. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la semaine prochaine pour Jeux de Cubes.